Oui, bonjour, Albert Sanguignol, donc premier adjoint qui remplace aujourd'hui le maire qui a eu un petit souci de santé et qui va bientôt être tout à fait en forme. Ce n'est pas la 4e édition de la fête de l'artichaut, excusez-moi de vous contredire, c'est la 24e. Pendant une vingtaine d'années, cette fête était une fête tournante, c'est-à-dire qu'elle avait lieu soit à Toreil, soit à Villelongue, soit à Cléra, soit à Sainte-Marie. Mais depuis 5 ans, elle se fait systématiquement à Sainte-Marie parce que les conditions sont bonnes pour tout le monde. Il y a un grand parking, il y a de la place et c'est une manifestation qui est très fréquentée, que nous sommes très satisfaits d'avoir. Bon, alors ça c'est une idée très ancienne, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont voulu promouvoir leurs produits, qui est un produit un peu survivant chez nous, puisque en maraîchage, heureusement qu'il reste de l'artichaut, parce que sinon il n'y aurait plus grand chose, les campagnes de salade sont mauvaises. Bon, avec les artichauts, ça travaille encore un peu, et donc il faut les encourager à continuer, sinon on va se retrouver avec un département en friche. Mais disons que la nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est que cette année fait assez beau. Et l'an dernier, les conditions étaient effroyables, mais malgré les mauvaises conditions, la fête avait obtenu un grand succès. Et je pense que cette année, ce sera encore mieux. On va avoir beaucoup de monde. L'an dernier, les artichauts se sont bien écoulés, mais les gens ne faisaient que passer parce qu'il faisait froid, et il pleuvait un peu. Tandis que cette année, je pense qu'ils vont tourner un peu plus, ils vont rester plus longtemps. On risque d'avoir une très belle fête. Bonjour, nous sommes les Narbominiciens, on est basés sur Périac de Mer. Tout à fait, c'est typique Venise, nous créons nos costumes nous-mêmes. Ça prend énormément de temps, parfois une année pour faire un costume. Puis notre plaisir surtout, c'est de partager notre passion avec le public, comme aujourd'hui, ici à Sainte-Marie, où les gens nous accueillent avec un grand sourire et où ils sont ravis de voir tous ces costumes. Nous déambulons dans plusieurs villes de France et petit à petit, on va de plus en plus loin. Donc c'est fantastique parce que c'est une passion qui se partage dans plusieurs associations de France. Alors oui, des fois, il nous arrive de prendre plusieurs costumes et de se changer dans la journée. Non, c'est pas lourd. Ce qui est difficile, c'est avec la chaleur. Et aujourd'hui, le vent pour les chapeaux, c'est un peu difficile. Alors, le dernier mot, ça sera avec ma vice-présidente. On vous invite tous à venir à Périac de Mer le 26 et 27 août, où il y aura plus de 80 costumes. Et sur les deux jours, il y aura des véhicules anciens, des deux chevaux et des Harley Davidson. Merci à vous. Bonne journée. Alors, il y a plusieurs sortes d'artichauts. Donc, il y a le calico, le mako, le violet et le salambo. Chacun a une particularité différente. Certains se mangent crus, certains se mangent cuits. Chaque artichaut a sa spécialité culinaire. Alors la période de récolte se situe là, donc au mois de mars, et après c'est le temps qui gère tout ça, quoi. C'est le temps qui va nous dire s'il a fait chaud, et bien on va pouvoir récolter plus tôt, et s'il fait froid, l'artichaut va mettre du temps à arriver à maturité, donc
ça sera beaucoup plus tard. Je reprends l'entreprise que mon père a créée. Donc c'est une exploitation que lui, ça fait déjà 30 ans qu'il mène l'exploitation. Et puis après, en étant baigné là-dedans depuis tout petit, en conduisant les tracteurs depuis tout petit, c'est quelque chose qui coule dans tes veines, quoi. Donc soit tu as la fibre, soit tu ne l'as pas. Et il vaut mieux que ce soit un métier par passion, parce qu'au niveau rémunération, des fois, on se demande si on ne travaille pas pour la gloire, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, on le sait, et on travaille vraiment par passion, et c'est un métier vraiment passion. En fait, on vient exposer à Sainte-Marie parce qu'on a observé que sur toutes les autres communes et toutes les autres fêtes qui se faisaient en fruits et légumes, ils recentraient souvent sur le même village. Et quand les gens savent qu'une fête se passe sur un village à une date donnée, ils reviennent tous les ans. Et par le bouche à oreille, ça grandit. Et là, ben, je vous dis, moi, ça fait déjà deux voyages qu'on fait pour aller rechercher de la marchandise. On est venu ce matin avec 6 tonnes d'artichauts et je pense qu'on n'en aura pas assez, il va falloir aller recharger. Mais en fait, c'est une association. On est jeunes agriculteurs, donc c'est une association. On n'a pas forcément un but. Ce n'est pas à but lucratif, quoi. On se sert du l'argent qu'on récolte, on s'en sert pour repartir l'année d'après, pour se payer du bon temps entre copains, quoi. Je veux dire, on va faire quelques restaurants, on va manger au resto, ou on va faire quelques petits voyages, histoire de passer du bon temps entre copains, quoi. C'est surtout une réunion de producteurs, parce que même si, enfin, si on ne faisait pas cette fête aujourd'hui, on aurait quand même du travail sur nos exploitations. C'est une façon pour nous de décompresser tout en restant dans notre milieu de travail, quoi. Alors, ben moi j'en ai deux que je préfère. Donc ma grand-mère fait un estouffat de carchof, c'est-à-dire que c'est de l'artichaut qui est farci avec de la chair à saucisse et qui est passé au four. Et ça, c'est vraiment c'est extraordinaire. Et ensuite, le plus simplement du monde, les cœurs d'artichaut en salade, donc avec une bonne vinaigrette, huile d'olive, vinaigre et sel. Et des cœurs d'artichaut coupés là-dedans, et c'est fantastique aussi, quoi.